Monica, je crois que vous ne pouvez plus reculer là maintenant. Il faut vous allonger. Aidez-moi à l'allonger là, on va la mettre par terre. On va prendre ça, regardez. Hop, allez, allongez là. Là, mais doucement, hein, doucement. Voilà. Bon, vous, il va falloir aller réveiller la vraie le bois dormant, hein. Si vous voulez pas que l'avion s'écrase et vous renvoie directement là où vous venez, compris? Chef, oui, chef. Bon, allez, vous réveillez bébé, on y va. C'est vrai, pardon Seigneur, maintenant... Amenez-moi ce crétin!
Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur Bertrand voudrait, cela ne vous pas bien sûr, profiter de l'expérience de monsieur Yvan pour piloter cet avion. Yvan est déjà à la manœuvre. Mais vous pouvez pas vous y coller, vous? Vous vous connaissez un peu, les agneaux? Ah, sûrement pas. Je m'y connais surtout en pilote déposé et je vous assure qu'avec du pli, moi, ça ne pourra pas le faire. Jaël, il ne reste plus que vous. D'accord, mais c'est bien parce que j'ai pas envie de ressembler à une autruche, moi. La tête dans le sable et puis cul en l'air. Compliqué, asseyez-vous là, là. Vous fixez ce cadran, là, celui-là, là, avec l'aiguille qui tourne, là. Et vous me donnez l'altitude. Vous direz plus à votre îlot. Quelle altitude il fait, votre bazar? Ça vous le tournez. Combien? Quoi? 7000. Mais... non, pied. Ça fait 2000 mètres. Si ça vous fait rien, moi je continuerai à compter en pied, hein. Ça me prend l'impression d'être plus loin du sol. Je ne suis pas sûr de s'en sortir. Oh, ça va aller. C'est de plus en plus douloureux. Alors? Je crois que ça se rapproche du côté cockpit. Ça se rapproche aussi. Pas terrible, la maison en premier. J'ai mal. Où ça? Où? Dans. Vous voulez vous faire mal, partir? Mais regarde, vous sentez qu'il va bientôt sortir? Oui. Combien? 5000. Oh. Et maintenant? 4800. Oh. Et maintenant? 4600. Bien, arrêtez de me poser la question toutes les deux secondes, hein. 4400. Oh. Il faut relever la tête. Mais non, oh, pas à vous, hein, là-haut. Monica, vous aviez des contractions à peu près toutes les minutes, là, maintenant c'est à peu près toutes les 30 secondes, là. Bon, je crois que le moment est venu, hein. Je vais voir où j'en sois à peu près. 3800. Alors, on en est où? 3600 pieds. Impact dans moins de 3 minutes. File-moi le whisky que je me requinque. C'est quoi le moment que je pique du nez? J'ai mal. Oh, il faut lui donner quelque chose pour la calmer. Allez dans le cockpit, il y a le whisky du commandant. Allez où votre réserve d'alcool à vous? Derrière. Mais c'est bon, il a déjà tout picolé comme ça. Mais c'est pas pour lui, c'est pour calmer les douleurs de la femme enceinte. Ouais, mais doucement, hein. C'est du 12 ans d'âge quand même. Allez-y et doucement, hein. Il va falloir s'y préparer à manœuvrer maintenant. 2600. Ça fait combien en mètres que je peux pas se peur? Environ 800 mètres. Ah ah, 2400, j'ai encore plus peur. Oh, c'est pas bon d'avoir les froids. Si seulement je pouvais avoir la foi. Bon, quand je vous le dirai, bloquerez votre respiration. Pourquoi? Vous voulez que je mette tout ou quoi? Mais non, c'est pour découpler la force, vous tirez sur le manche. Alors. Bon, Monica, vous me recevez. 5 sur 5. Bon, à la prochaine contraction, vous bloquez votre respiration et vous poussez. D'accord? D'accord. Bon, à ma prochaine indication, vous bloquez votre respiration et vous tirez sur le manche, ok? Combien? 1800. Mais ouvrez la bouche, bordel! Vous arrêtez de respirer! 1800. Merde, moins de 500 mètres! Ouvre la piste! Va prévenir les autres, va leur dire ça va bientôt secouer! Ouvre la piste! Accrochez-vous! Ça va bientôt secouer! Oh oui, regardez! On voit la piste comme si je vis toutes ces petites loupiottes jaunes et rouges qui défilent! Hein? Des loupiottes rouges et jaunes qui défilent! Ah! Des loupiottes qui défilent! Des loupiottes qui défilent! Dis, c'est normal qu'il y ait des voitures qui circulent sur la piste! C'est l'autoroute! Ne vous inquiétez, tout va bien! Tout est normal, tout va bien! C'est pas la piste, c'est... C'est l'autoroute! Quoi? Vous pouvez arriver sur l'autoroute! Et alors, vous préférez une piste cyclable? Vite, sortez!
c'est clair. C'est ça votre temps à vous, dites donc, c'est drôlement impressionnant, hein. Que le feu. Merde, l'extincteur, il est où l'extincteur? Cette terre, pour que Satan l'habite. Les âmes des mortels brûlent à tout jamais. Arrêtez de pas relever le coup du feu, ça va marcher. Oui. Vous arrêtez votre délire et votre vous vous asseyez, vous buvez un coup, vous revenez parmi vous, et vous la bouclez. Mais j'ai bien dit, la ceinture, c'est plus prudent. C'est quoi le bouton rouge du Kinyan? Oh merde, notre train d'atterrissage! C'est pas vrai! J'ai oublié de sortir le train d'atterrissage! Avec ses 250 pèlerins, sans faire de casse, et tout ça.